Bonjour tout le monde, regardez ce qui vient de fraîchement arriver. Le nouveau coffret Blu-ray magnifique des films de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Coffret magnifique, je l'attendais avec impatience. Franchement magnifique, vous me croyez? Juste coffret de merde. Regardez-moi ça, aucun effort. Bon, il m'a coûté 49 euros. Encore heureux qu'il m'a coûté que 49 euros. Franchement, ils se sont pas foulés du tout. Attendez quand je vais l'ouvrir. Hop là, aucun effort. Exactement la même chose. Voilà. Voilà à quoi on a le droit pour le coffret tant attendu des films de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT en Blu-ray. Un coffret tout pourri. Bon, ok, 49 euros, c'est pas si cher que ça. Mais bon, j'aurais préféré qu'ils coupent le coffret en deux, payer deux fois 49 euros et avoir quelque chose de beaucoup plus beau qui rend hommage à cette grande série que ça. Plus le temps passe et plus les éditeurs nous sortent des coffrets de plus en plus pourris, de plus en plus faciles à faire. Regardez ça, il n'y a aucun effort. Si je dis ça, c'est parce que je vous avais déjà fait une vidéo pour vous présenter les films Dragon Ball Z, la même chose quoi, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT en DVD. En DVD, vous avez vu le travail qui a été fait là-dessus. Et c'est aussi AB Productions. Il y a des cartes, il y a des livres, il y a des superbes illustrations. Vous pouvez aller voir les vidéos que j'avais fait de présentation de ces coffrets-là. Mais regardez, c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus travaillé que ça. Mais franchement, ça. Franchement, ça fait même naze à côté. Attendez, je vais vous montrer les menus. Vous allez halluciner. Vous voyez, c'est ça le menu. J'ai mis le premier Blu-ray dans le lecteur et voilà ce qu'on a. Franchement, aucun travail. J'ai pas encore cliqué sur un titre, on va voir ce que ça va donner. Bon, ça passe encore. Il y a un petit effort qui a été fait. Bon, l'image est plutôt belle. Bien coloré. C'est quoi ça, résumé? Bon bref, voilà ce que ça donne, le coffret des films Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT en Blu-ray. Je vais visionner tout ça, j'espère que la qualité d'image sera un rendez-vous parce que la qualité du coffret, franchement, c'est pas ça du tout. À revoir. Coffret, allez, qualité du coffret,
Allez, 5 sur 20. Voilà.